Effectivement, on peut écouter les revendications de tous les joueurs. Même c'est un devoir d'écouter les revendications de tous les joueurs. Pour l'entraîneur que je suis d'ailleurs, il me faut faire ça et il faut le faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut privilégier le collectif. D'accord? Donc effectivement, il y a des systèmes de jeu, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Vous savez ce que je pense de ça? C'est surtout l'animation qui est importante, et surtout l'animation défensive et offensive par rapport à ce système-là. Et je pense que quand il y a 25 joueurs, il faut essayer de contenter le plus de joueurs possible. Quitte à ne pas contenter un ou deux ou trois. Parce que l'inverse, si tu contentes trois joueurs et que les 23 autres ne sont pas contents, là tu vas avoir un gros problème, mais un très gros problème. Donc voilà, c'est un sport collectif, le football. D'autant plus que depuis un an, quand même, il me semble que les résultats sont très très bons. Non, enfin, il me semble que la façon de jouer convienne à la plupart des joueurs qui sont dans cet effectif-là. Donc voilà la délicatesse de changer un système pour un ou deux joueurs est difficile. Est difficile. D'autant plus que tu as les résultats, tu as la philosophie qui correspond à l'entraîneur que je suis. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pas facile pour tout le monde, je le reconnais. Mais il faut savoir s'adapter. Je peux le concevoir. Je peux le concevoir quand un joueur n'est pas satisfait de la manière dont il joue, même si, vous le savez, la grande confiance que j'ai en Eddy et aussi la grande admiration que j'ai pour Eddy. Mais elle remonte bien avant à ceux qui soient joueurs du Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Donc voilà, il a été recruté. J'étais pas encore au club, mais j'arrivais, donc j'étais très bien, très heureux qu'il soit là. Après, effectivement, il y a un système de jeu qui, sincèrement, pour lui, ne tire pas ses qualités à 100%. Mais n'oublions pas que dans ce système-là, ça fait 2 ans et demi que ses stats sont très bonnes. Donc il aimerait jouer autrement, je peux le concevoir, mais moi j'ai un équilibre d'effectif et un équilibre d'équipe à mettre surtout, et à protéger, à mettre en avant.